Depuis les 5 dernières minutes, 600 000 animaux viennent d'être abattus dans le monde pour fournir de la viande. 2 000 de plus à chaque seconde qui s'écoule, 60 milliards chaque année. Avec des chiffres si vertigineux, on pourrait imaginer que nous vivons dans un monde où la famine n'existe pas. Pourtant, c'est plus de 6 millions de personnes qui meurent de faim chaque année. 6 millions d'enfants, d'hommes et de femmes qui meurent de faim pendant que nous soignons nos problèmes d'obésité et pendant que nous rasons les forêts. 9 500 000 hectares chaque année. 18 terrains de football à la minute. Pour cultiver des céréales qu'on ne mangera pas et qu'on donnera à manger au bétail pour finalement manger le bétail. Il suffirait de faire un calcul tout simple pour comprendre l'ampleur des dégâts. Un petit cochon qui fournirait 50 kg de viande pourrait nourrir 200 personnes. Or, les céréales qu'il aura mangées au cours de sa vie pour s'engraisser auraient à elles seules pu nourrir plus de 3 000 personnes.